Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous allons recevoir un invité en direct des États-Unis. Il s'agit de Dylan Salvador qui fera bientôt ses débuts au Dana White Series Contender. Mais avant cela, il y a une actualité très dense à décortiquer avec Sébastien Love. C'est parti pour les news. On a eu un week-end effectivement très intense, Seb. Commencer par l'AEF. Par l'AEF qui s'est donc... Alors c'était en semaine, il a fait ça un jeudi, l'AEF 3ème édition, donc à Rennes, dans la mythique Halle Marteneau de Rennes, dans le centre historique de Rennes. Donc c'était un très très bel événement, hein. C'était son 3ème. Déjà pour la 2ème édition, il y avait les petits plats dans les grands. Là pour la 3ème, c'était incroyable, donc compétition amateur, bien évidemment. Il y avait deux ceintures en jeu chez les welterweight, entre le Belge Patrick Abirora, qui est reparti avec la ceinture, hein, extraordinaire. On a eu également chez Bentamweight Movsar Ibrahimov qui a battu Théo Muris. Donc les Belges sont repartis avec les ceintures. Mais au-delà de ça, le niveau amateur est sans cesse, et je le dis souvent, est en constante hausse. C'est incroyable de voir ces amateurs performer dans la cage avec ce niveau qui croît de gala en gala. Il y a eu également ces petites confrontations face-to-face à la fin dans la cage un peu à l'américaine entre Théo Boudin de la Old School Academy et donc Patrick Abirora, le nouveau champion, se sont un petit peu défiés. Hein, c'était assez sympa de voir ça, tout ça dans une bonne ambiance et un respect mutuel. Et Mathis Duragrin, notre Français également de la Old School, qui est le détenteur de la ceinture, qui risque d'affronter pour un combat revanche Thomas Muris, qui lui a battu le petit frère d'Abdoul Abdouragimov, Malik Abdouragimov. Donc voilà, c'était très bel événement AEF 3ème édition. On a également Hexagone MMA de Béziers qui a été annulé, mais plusieurs combats vont être sauvés par Dynamite MMA. Oui, voilà, donc c'est le Dynamite MMA qui a accepté donc de prendre quelques combattants de l'Hexagone qui a été donc annulé, comme tu l'as dit, c'était le 3 juin, et notamment celui que, bon, on attend un petit peu, pour ceux qui sont un petit peu nostalgiques comme moi, le combat d'Anthony Rea, qui n'était pas disponible pour combattre en août à la prochaine date de l'Hexagone, donc il va combattre au Dynamite MMA, toujours contre le même adversaire, hein, Mohamed Eldouansi. Il y aura dans ce Dynamite MMA du 24 juin à Montpellier le duel des Quentin. Quentin Arola contre Quentin Domergue. C'est une revanche. Hein. Arola avait perdu contre Domergue par KO. C'est un combat chez les lightweight. Il y aura le combat féminin de la soirée, le combat des palmarès négatifs entre la hondurienne Ordonez Dilia et Manfredi Morgan, que tu as battu au KOC numéro 9. C'est une combattante qui vient du pied-point, elle est championne du monde de lightweight. Alors le lightweight, c'est du Muay Thai avec les bandages durs. C'est exact, ça. Et on a le droit au coup de tête. En tout cas, chez les hommes, chez les femmes, j'ai un petit doute, mais en tout cas, voilà, c'est ouais, donc elle s'est très bien recyclée. Et elle était aussi championne d'Europe en jiu-jitsu brésilien. À l'époque, elle était en ceinture bleue. En ceinture bleue, exactement. Ouais. Exactement. Qu'elle a encore donc, et elle a fait partie de l'équipe de France de MMA pour les championnats du monde amateurs. Et au-delà de ça, dans ce Dynamite MMA, c'est international. Il y a des combattants qui viennent du Brésil, du Liban, d'Italie, du Portugal, de Cuba. Bref, faudra être à Montpellier le 24 juin. Voilà, et donc Hexagone MMA qui est repoussé, comme tu le disais, au 4 août. À l'heure où on se parle, ils essayent de sauver un maximum de combats. Du côté de Varsovie, ça a été la douche froide au KSW, Seb. Saladin. Donc on attendait tous, on était tous branchés devant nos télés pour voir Saladin Parnasse combattre contre Marianne Ziolkowski. Eh ben non, le combat n'a pas eu lieu. Marianne s'est blessée au genou 30 minutes avant l'échauffement. Donc c'est incroyable ce qui s'est passé, parce qu'il y a tout ce background qui s'est déroulé avant, où Marianne avait demandé que les deux soient contrôlés, passent au test antidopage. Alors est-ce qu'il avait déjà peur? Est-ce qu'il s'était dit, bon, contre Saladin, je ferai pas le poids? En tout cas, se blesser 30 minutes avant un combat, ça peut arriver, bien évidemment. Le souci, c'est que Saladin a envie de combattre. Une date a été proposée, le 15 juillet, mais là je parle encore au conditionnel, je ne sais pas. La salle prévue pour le 15 juillet serait trop petite pour accueillir un combattant de la renommée de Saladin. Donc pour le KSW, vu que Saladin est très bankable, il serait bien d'avoir une enceinte comme là c'était prévu pour ce combat, donc parce que les enjeux sont énormes pour le KSW. Donc on attend une date, une certitude pour le prochain combat de Saladin, qui lui veut recombattre très rapidement. Alors ce qui est quand même dommage, c'est que le KSW, au regard de l'historique, puisque le combat a été annulé combien? 3 fois, c'est ça? 3 fois. Voilà, donc au regard de l'historique, pourquoi ils n'ont pas prévu peut-être un combattant de secours? Probablement parce que ça coûte peut-être trop d'argent aussi, parce que c'est un budget de combattre pour la ceinture. Mais en tout cas, on sentait que Hatch avait un pressentiment par rapport à ça. Quand on l'a invité, parce qu'à la base, on l'avait invité sur ce plateau, et il avait dit, attends, on attend de voir ce qui se passe. Il avait comme un pressentiment quand même.
Oui, parce que comme c'est pas la première fois, et puis qu'il y a eu toutes ces petites histoires qui ont nourri un petit peu ses incertitudes, bah force est de constater qu'il avait vu juste, en tout cas il avait les doutes, et comme on dit, hein, quand il y a un doute, c'est qu'il n'y a pas de doute. Bah voilà, le combat est annulé, mais c'est terrible parce que voilà, la préparation de Saladin, tout ce que ça demande, tout ce que ça engendre, pour comme ça, 30 minutes avant, voilà, je me suis blessé au genou, arrivé avec une poche de glace. C'est peut-être vrai, on ne remet pas ça en cause, mais on peut avoir quelques doutes. Ouais, quand ça ne veut pas, ça ne veut pas en tout cas. Exactement. Le mois qui arrive va être intense et exceptionnel pour le MMA français. On a Nassourdine Imava qui va combattre dès la semaine prochaine. Voilà, contre l'Américain Chris Curtis. Très expérimenté, Curtis a 40 combats, il avait été défait en avril par Gastelum, c'était à l'UFC 287, donc Nassourdine, on croit énormément en lui, un combattant français au gros potentiel, c'est un 12-4, malgré tout, il va falloir faire attention parce que Curtis, derrière, il y a un gros background. Et ils l'ont taquiné un petit peu, hein. Ça chambre un petit peu sur les réseaux, notamment sur certains podcasts, ouais. Et ça chambre un petit peu le MMA français. Hein. Ça chambre le MMA français, on a encore cette image de MMA un peu doux, un peu gentil, on n'arrive pas à performer. Ouais, laissons-les parler. Ouais, laissons-les parler. Nassourdine Imavov, c'est voilà. Tout sauf doux. Hein. Je pense que là, Curtis, moi, en tout cas, j'aimerais bien que Nassourdine, voilà, tu as parlé, bah, regarde ce qui va se passer. Benoît Saint-Denis également qui va être opposé à Ismaël Bonfim. Il s'approche dangereusement du top 15 de la catégorie des poids légers. Et Bonfim. Léger. Ouais. Bonfim, attention. Attention, sa dernière défaite à Bonfim remonte à 2014. C'est un Brésilien très très solide. 19 victoires, 3 défaites. Donc en 2022, il participe au Dana White's Contender Series, il remporte son combat. Il enchaîne tout de suite à l'UFC 283 en 2023, où il gagne par un formidable coup de genou sauté. C'était contre Terence McKinney. Avant, il avait fait toute sa carrière au Brésil. C'est pas un cadeau pour Benoît, parce que c'est vraiment quelqu'un de très très dur à l'image de cette école brésilienne, mais en face, c'est God of War, c'est Benoît Saint-Denis, donc encore une fois, je suis très chauvin, mais je vois pas Benoît perdre. Combat musclé en perspective donc pour Benoît Saint-Denis, qui revient justement sur cette saison éprouvante et les enjeux du combat, on l'écoute en interview. J'ai eu une saison assez compliquée parce que je devais combattre en décembre, ça a été décalé à janvier, ça a été décalé à février. Tout se passait bien, donc finalement j'ai un combat en février, mais ça faisait quand même déjà 6-7 mois entre septembre, l'UFC Paris et ce combat-là. Et je me blesse à l'entraînement, donc malheureusement, combat annulé, rééducation, chirurgie, et là mon retour il est prévu le 1er juillet. 1er juillet à Vegas, à l'Apex, et contre Ismaël Bonfim. C'est le gars qui a KOté Terence McKinney, qui avait soumis Fares rapidement. Donc il l'a KOté au Brésil, il a 19-3, striker. Donc un mec solide, ouais. Mais c'est un bon combat pour moi, ça va être une belle guerre, et il y a une revanche à prendre sur le Brésil. Depuis l'UFC Paris, il y a quand même une certaine visibilité qui me permet de vivre du sponsoring. Et donc, bien entendu, ça peut pas durer très longtemps. Il faut vraiment qu'il y ait le fight qui arrive. Donc là, le fight, il arrive au bon moment. Moi, mon but, c'est de devenir champion. Donc, bien entendu, je vais poursuivre l'aventure tant qu'elle n'est pas autour de ma taille. L'UFC Paris qui est justement en ligne de mire pour le français. L'an passé, il s'était marié quelques jours avant l'UFC Paris. Et bien là encore, il vient de connaître un grand changement de vie personnelle. Je vais déménager à Bayonne, un lieu que je connais très bien parce que j'ai servi là-bas pendant 5 ans au premier PMA. En fait, j'ai quasiment tout mon entourage qui est déjà là-bas. Il y aura Daniel qui rejoindra pendant les préparations de Caen, ainsi que des sparring partenaires que je ferai venir. La région me plaît vraiment, d'une part. Et après, j'ai déjà tout mon staff qui est là-bas, mon préparateur physique, mon kiné. J'ai mon médecin du sport, j'ai mes premiers coachs de pied-point, mon coach de sol surtout, qui est quelqu'un d'important pour moi. Et donc il n'y a plus qu'à faire venir Daniel et des sparring de qualité régulièrement. Régulièrement, je me déplacerai également sur Paris. Aujourd'hui, l'UFC me permet d'être mon propre patron, ainsi que les sponsoring. Donc mon objectif, c'est de me mettre dans les meilleures conditions pour m'entraîner durement, récupérer et pouvoir du coup durer dans ce sport. Le MMAGP de Bordeaux, qui malheureusement vient d'être annulé. Il est annulé et les raisons sont les mêmes que, par exemple, celle de l'European Beatdown. Et en fait, là, c'est assez important de le souligner parce qu'il y a eu, vous savez, il y a cette inflation qui, euh,
qui dans tous les secteurs en France, l'alimentation, enfin bref. Et là, les organisateurs subissent eux aussi cette inflation. Quand l'European Bidon a été annulé, j'ai eu l'info, c'est parce que les prestataires, et notamment le son et lumière, avaient augmenté de 30%. C'est exactement ce qui vient de se passer avec le prestataire, un des prestataires du MMA Grand Prix, qui lui, alors lui c'est plus 30%, lui c'est carrément du simple au double. Donc l'organisateur du MMA Grand Prix a clairement préféré annuler l'édition du 17 juin qui devait avoir lieu à l'Arkéa de Bordeaux. Hein, c'était, donc j'ai le communiqué de presse. Des partenaires pas sérieux. Qui annonce donc des prix qui augmentent en 3 semaines, ça a pris pratiquement 45%. La date, donc il est reporté, il n'est pas annulé, hein, ça sera le 21 octobre, hein, commencez à le noter dans vos calendriers, ça sera toujours à l'Arkéa de Bordeaux. Mais en tout cas, l'organisateur a bien précisé que plutôt que de faire un événement où vous allez perdre de l'argent, de ne pas accueillir les combattants comme il se doit, de ne pas pouvoir payer les combattants comme il se doit, autant reporter. À l'instar de l'European Beatdown et d'autres organisations, ça a été aussi en Muay Thai, où moi j'ai subi aussi ça, parce que je devais expliquer l'événement, ça a été annulé parce que les prestataires augmentent les prix. Alors je veux bien qu'il y ait des augmentations, l'inflation elle est pour tout le monde, mais de là d'augmenter de plus de 30%, voire 40%, c'est incompréhensible et ça fait du mal au MMA. Alors, en tout cas, le MMAGP de Genève, qui est prévu le 7 juillet prochain, va récupérer les principaux combattants de cette édition de Bordeaux. Oui, oui, et c'est là, c'est important de le souligner, parce que, alors certes, il y en a un qui est reporté, mais en tout cas, un peu comme le fait Hexagone, on essaye de replacer les combattants qui se sont préparés, qui eux également subissent ce genre de désagréments. Le main event ne bouge pas. Yann Kouadja, Mohamed Saïd Malem, gros combat de striker. Alphand de la Old School Academy devrait concourir toujours pour la ceinture. Et on attend les officialisations, toujours de Poney contre Dubois. En tout cas, beaucoup de combattants vont être repris pour combattre sur la carte suisse, donc à l'Arena de Genève. Pardon. Alors, si tout se passe bien, on aurait donc 3 ceintures, a priori, sur cet événement. Il y aurait 2 ceintures, contourner. 2 ceintures, et de sûr, et espérons une 3e, puisque la ceinture de Kouadja et Malem, elle n'est pas, il n'y a aucun problème là-dessus, elle est maintenue. Ah, d'accord, donc on aurait une édition flamboyante. Incroyable. Si on a 3 ceintures lors de la même soirée, ça serait vraiment génial. Et notamment Kouadja hein, contre Salem, c'est deux gros strikers. Salem qui est un pensionnaire du Bref depuis 2019. Là, il reste sur 2 défaites, mais en tout cas, sa sortie pour combattre au MMA Grand Prix risque de faire du bruit contre Yann. Le MMAGP qui entre dans une nouvelle ère à Genève, regardez ce qui vous attend. Yann Kouadja contre Mohamed Malem pour le titre mondial de Light Heavyweight. Vendredi 7 juillet à l'Arena, Genève. Place disponible sur mmagp.org. Il a fait les beaux jours de la boxe pied-point et il est en passe de faire les beaux jours du MMA international. Dylan Salvador sera bientôt au Dana White Series Contender et il est avec nous, c'est l'interview Spotlight. Salut Dylan, comment ça va ? Ah, ça va, merci à tous de m'avoir invité. Là, tu es. Alors, j'imagine que tu es dans ta voiture devant la salle de MMA, c'est ça ? Le décor. Ouais, on a bien deviné. Alors, pour ceux qui te suivent, qui te découvrent, pardon, parce que nous, on te suit depuis quelques années, mais pour ceux qui te découvrent, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton palmarès en pied-point ?
Eh ben, je m'appelle Bilal, j'ai 30 ans, une centaine de combats pro. Rien que ça. Plus du double en amateur, champion de France amateur, champion équipe de France nationale de Muay Thai, médaille de bronze au championnat du monde, champion du monde de kickboxing à 18 ans, champion du monde de Muay Thai à 19 ans, champion du tournoi du Glory à 20 ans. Et puis j'ai boxé un petit peu partout sur la planète, fait les plus gros galas, les plus gros shows. Au Kunlun, à la ça... nuit des challenges, ouais. Au Glory. Des grosses références du pied-point. Tu étais d'ailleurs au Glory, hein, il me semble. Oui, Glory, ouais. Tournoi, pur. Alors, au Glory, justement, tu as pu obtenir grâce à eux, si ma mémoire est bonne, un visa qui t'a permis de partir vivre aux USA. Pourquoi partir aux USA ? C'est ça, ils m'ont fait un visa parce que je devais boxer là-bas, puis finalement ça se fait pas, donc j'ai profité de ce visa, j'avais un visa d'un an pour aller m'entraîner là-bas, parce que j'avais un petit peu une sensation d'avoir tout fait, tout vu dans le pied-point. J'avais envie de changement, d'une nouvelle discipline, d'adrénaline, quelque chose que j'avais perdu un petit peu dans le pied-point. Donc voilà, je me suis essayé au MMA, je me suis dit ben... Quand je m'entraînais pour faire des combats de Muay Thai, j'allais en Thaïlande. Et ben aujourd'hui, je fais la même chose, mais version MMA. Donc, je pense que c'est l'endroit où il faut être si tu veux vraiment pratiquer et performer. Alors, vivre le rêve américain, ça fait fantasmer beaucoup de monde, forcément. La réalité du terrain, ça ressemble à quoi ? L'herbe, est-ce qu'elle est vraiment plus verte ailleurs ? Pour moi, oui. J'avais pas... En restant en France, je ne pense pas que j'aurais trouvé cet équilibre-là. Ici, c'est vraiment tout formaté MMA. Les plannings sont faits pour, les salles sont faites pour, les coachs sont connus pour. En plus, je suis parti à un moment où le MMA n'était pas encore légalisé en France, il y a 5 ans. Donc, j'ai pris un petit peu cette avance. Et puis, je pense que voilà, c'était la chose à faire, la chose la plus intelligente pour moi. Et aujourd'hui, je m'y retrouve bien puisque je vis et puis je n'ai pas le projet de rentrer pour le moment. Et comment tu vis l'éloignement avec la famille, les racines, ce genre de choses ? Parce que ça, on ne s'en rend pas forcément compte, mais ça peut parfois peser un petit peu. Ah voilà, c'est le côté négatif de la chose. Je pense qu'il faut faire des sacrifices dans une carrière pour pouvoir performer, pour pouvoir faire des résultats. Et... L'éloignement, le manque de sa famille, de ses amis, voilà, ça en fait partie. C'est sûr que c'est dur, mais voilà, si on veut croire en ses rêves et faire de grandes choses, il faut passer par là, je pense. Donc voilà, c'est vrai que c'est très dur, mais il faut le faire. Ça te réussit plutôt bien pour le moment, Dylan. Ouais, on est sur une bonne lignée. Alors, en général, ce qui se passe quand on part vivre dans un autre pays, eh bien, on ne sait plus trop à quel pays on appartient. Aujourd'hui, tu te sens plus français, plus américain ? Tu te sens plus quoi ? Ah, moi, je suis du monde. J'ai beaucoup, énormément voyagé. Sur le passeport, je suis français. Sur combat, je suis un combattant américain de MMA. Parce que j'ai vraiment commencé ici, donc non, ouais, il y a pas, je ne suis pas de nationalité. Il y a un peu de taille dedans, quand même, non ? Voilà, en vrai, pas une question que je... Et alors donc tu disais que tu comptes rester là-bas, tu es toujours à l'American Top Team ? C'est ça, l'American Top Team. Et puis il y a plusieurs salles ici, je tourne un peu de beaucoup. Là il y a Douglas Lima qui vient de se garer juste derrière moi, ouais. Donc voilà, on a du beau monde ici, on fait des trainings entre nous, on fait des grosses sessions professionnelles, non, ça se passe vraiment bien et... ouais. Alors il y a plusieurs antennes American Top Team, hein. La maison mère elle est à Coconut Creek, toi tu n'es pas à Coconut Creek, pourquoi ne pas avoir choisi d'aller dans le QG principal? C'est une question de feeling, plusieurs gyms. Et puis, la vie ici, elle est calme, il fait beau quasiment toute l'année, un peu comme Miami, mais je sais pas, il y avait un feeling avec les gens de la salle, ils ont une base de strikers aussi, ils m'ont apporté ce petit plus, comment dire, je pense que mon style de combat s'est mieux matché avec les combattants qu'il y avait ici et le coach qu'il y avait ici, qui ont pu vraiment m'apporter cette chose manquante. Pour pouvoir performer sur le MMA. Donc,
C'est une question de feeling, tout simplement. Alors, le fait que tu te sois éloigné, ça a aussi pour conséquence, et ça, Claire Lopez nous en parlait également, parce qu'elle s'est expatriée à Londres, ça a pour conséquence qu'on parle peut-être un peu moins de vos performances. Pourtant, tu as fait ton chemin pendant ces années. Est-ce que toi aussi, tu as ce sentiment que quand on est expatrié, on parle moins de vous ? Moi, j'ai l'impression qu'on n'a jamais tellement parlé de moi. Ah ouais, c'est vrai ? Je le prends pas trop mal. En même temps, je fais pas les efforts non plus. Je suis pas quelqu'un qui se met en avant naturellement. Et tu parles de ta carrière MMA, parce qu'en pied-point, t'étais une référence, Dylan. Moi, je t'ai suivi, moi, je suis passionné de Mouet. En pied-point, on parlait de toi. Un petit peu, quand j'étais sur le haut du tableau, donc c'était difficile de passer à côté de moi ou de mes performances. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai que depuis 5 ans, c'est un peu... voilà, quoi, c'est le désert. Alors, pour le coup, j'ai assisté à tes débuts en MMA et laisse-moi te dire que j'ai été complètement choquée. Tu es un prodige, puisque tu as quand même réussi à battre un lutteur très, très aguerri qui était champion d'État, me semble-t-il. Moi, ce que j'avais vu chez toi, c'était un homme mort de faim, un homme qui a ce côté animal et très autoritaire. C'était un bain de sang, la fin du combat, littéralement. Tu t'en souviens de ce combat au Titan FC ? Je me souviens très bien, bah, c'est la fois où on s'est rencontrés. On s'était déjà vu parce qu'on t'avait déjà animé une émission avec moi et Cédric Doumbé à l'époque. Et puis on s'était revus là-bas, c'était une grosse surprise, c'était cool de te revoir. Et puis ouais, c'était un sacré match, le mec était invaincu, champion, comme tu as dit, collège ou universitaire, je ne sais pas comment ça fonctionne ici. Voilà, il a essayé de shooter tout le long et puis on a fait parler nos armes, les miennes, mes favorites, les coudes. Mais ce qui m'a bluffé, en fait, c'est ta capacité à répondre à la fois en lutte et au sol, alors que c'était ton tout premier combat. On pouvait s'imaginer que tu allais rester dans ta zone de confort et ça n'a pas du tout été le cas. Ça, tu le dois justement à cette écurie aux États-Unis, où tu avais déjà commencé à travailler avant, en France. Non, j'ai jamais travaillé en France. J'ai fait la transition ici, mais la chose, c'est que Ça faisait déjà 2 ans que j'étais ici, 1 an et demi, 2 ans. Donc j'ai énormément travaillé avant de faire ce premier match. Je n'ai pas seulement attendu, voilà, je fais 2-3 mois de grappling ou de lutte et puis je me jette sur mon premier match. Non, j'ai vraiment voulu faire un Dylan, on va dire 2.0, vraiment version MMA et pas seulement un striker qui connaît le triangle et puis c'est tout, quoi. Bah, ça marche bien, vraiment. Pour un striker, tu as 4 victoires par soumission quand même, sur 5 combats, quoi. Alors, on se dit qu'en allant aux USA, ça peut potentiellement accélérer ta carrière. Pourtant, c'est seulement maintenant, en 2023, que tu te retrouves aux portes de l'UFC. Comment tu l'expliques ? Pourquoi ça a pris autant de temps, connaissant ton pédigré déjà en pied-point ? Bah, comme je t'ai dit, maintenant j'habite ici, donc j'ai eu un long processus de... avec l'immigration, pour avoir mon visa, ma carte verte, pareil pour ma famille, ma femme, ma fille, donc ça a été long à obtenir. Et comme j'ai dit, j'ai pris mon temps vraiment de faire du MMA et pas faire du striking version MMA. Voilà, j'ai voulu vraiment apprendre des vraies choses, de la lutte. J'ai passé du temps à me rouler au sol, à vraiment vouloir finir mes matchs. Et puis... Et puis voilà, j'ai rencontré Ali Abdelaziz il y a quelques temps, on a signé. Ah, donc, c'est super, voilà, bravo. Ça a mis un coup de boost. Bravo, alors déjà bravo pour la green card, parce que Dieu sait que c'est très long de l'obtenir. Et bravo pour la signature avec Ali Abdelaziz, j'imagine que ça va mettre un coup de boost à ta carrière. J'ai quand même une question, dans la mesure où le MMA a été légalisé en France, donc c'était en 2020 si ma mémoire est bonne, les organisateurs aujourd'hui ils investissent massivement sur les combattants influents en France. Est-ce que ça n'aurait pas eu un intérêt pour toi de revenir justement pour montrer que tu as de l'influence en France ? Bah, maintenant que j'ai tout ça et que j'avais passé énormément de temps ici et fait tous ces sacrifices, je trouvais ça un peu dommage de tout jeter à la poubelle pour pouvoir rentrer à la maison pour avoir un peu cette facilité du public et des organisateurs qui me connaissaient, en fait. Maintenant que j'étais ici, que j'avais fait la démarche à fond, je voulais vraiment performer et terminer ici. Et ça te plaît alors la vie aux États-Unis ? Je fais mes courses à Lidl et puis je rentre chez moi, je joue à la PlayStation et je joue avec,
avec ma fille. Et puis voilà, je suis très casanier, donc il n'y a pas de club pour moi, il n'y a pas de sortie. C'est matin, midi, soir à la salle. Et puis quand entre deux trainings, c'est à la maison avec mes proches. Et tu travailles aux États-Unis ou tu vis du combat ? J'ai la chance d'avoir des sponsors et trois en moi. Donc voilà, c'est mon travail d'être combattant à plein temps depuis, ça fait très longtemps maintenant. Et le dénouement, il est heureux puisque tu vas bientôt combattre au Dana White Series Contender. Ce sera en août. Admettons que tu gagnes, qu'est-ce qu'il se passe là ? Tu rentrerais directement à l'UFC derrière. Qu'est-ce qu'il se trame là en ce moment ? Eh ben, en espérant la victoire, voilà, je signe à l'UFC. Et puis moi, mon but, c'est d'être le plus actif possible. De pas seulement boxer UFC Paris, mais voilà, de par mon visa en plus, je pense que je peux être très actif sur le roster et avancer très vite dans le classement. C'est un objectif. De plus, j'ai gagné Giga Jikadze, qui est 6e chez les 66. Si je veux accélérer le processus, eh ben, je fais un call-out un peu intelligent. Après une bonne victoire, ça peut me permettre de gratter quelques places. Et puis voilà, tout simplement, avancer intelligemment, faire les bons choix et puis gagner mes matchs. Regardez un peu, tu connais ton adversaire, Bolaji Oki, que tu vas rencontrer ? Alors, je ne connaissais pas. Pas du tout. Je le connais bien. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Bah, en fait, c'est un alors, combattant belge. Qui a toujours combattu en Belgique. Il n'est jamais sorti de Belgique. Il a 7 combats. Il a 8 combats, pardon. 7 victoires et une défaite. Sa seule défaite, c'était son premier combat. Et depuis, il a enchaîné 4 victoires par KO, une par soumission et 2 à la décision. Il a une ceinture de l'organisation belge qui s'appelle Atomic Fighting Championship. Moi, te connaissant en tant que combattant pied-point, et lui, l'ayant vu boxer en pied-point, il n'y a pas photo. Techniquement, t'étais au-dessus, là, il n'y a même pas de comparaison possible. Après, là, c'est du MMA, c'est différent. Moi, j'ai regardé 3 de tes combats en MMA. Ça va être un très, très beau combat. Bolaji est quelqu'un de très athlétique. Toi, t'as cette science du combat qui est incroyable. Surtout, je me dis, avec 6 combats en MMA, j'ai l'impression que t'en as déjà, quand je te regarde, t'en as au moins 15. Donc, j'ai hâte de voir ce combat. Et on va être un peu chauvin, même si j'apprécie beaucoup Bolaji Oki. Dylan, il est français, quoi. Donc. Aujourd'hui, tu ne jures que par l'UFC ou est-ce que tu es ouvert à d'autres organisations ? Non, ça a été mon manager, ça aussi. De savoir où c'est qu'on allait se placer. Parce que aujourd'hui, Ali Abdelaziz, c'est le numéro 1 des managers. Il est un peu. Il a les portes entre. Les portes ouvertes de partout. Donc il y avait le choix entre le ONE, le Bellator, le PFL, l'UFC. Et puis en discutant avec lui, j'avais déjà, comme tu te rappelles, on avait boxé en face de Dana White. On avait déjà tapé dans l'œil là-bas. Il y a eu une discussion qui s'est faite entre Ali et lui. Et puis ça l'intéressait. Voilà, donc il attendait juste un petit peu plus de matchs pour moi et de voir comment j'évoluais en MMA. Aujourd'hui, ça lui plaît de m'intégrer à l'UFC au lieu d'aller quelque part ailleurs. Il dit que j'ai une bonne gueule et que je peux être vendeur. Donc voilà, on va le suivre, on sait ce qu'il fait. C'est le boss des managers. Donc je pense qu'il faut le croire. Ouais, Ali Abdelaziz, qui est juste le voisin de Dana White, hein, il me semble, à Las Vegas. Ce qui peut aider. Hein, tu fais ton jardinage, tu places un petit combattant au passage, pourquoi pas. Justement, on s'était rencontrés sur un plateau précédemment sur une autre chaîne. Tu étais venu avec Cédric Doumbé. Là, vous avez des carrières qui évoluent en parallèle. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de sa carrière, le fait qu'il aille au PFL ? C'est son choix. Comme j'ai dit, moi j'ai expliqué les miens, lui il a les siens. Je pense qu'ils sont financiers, et je pense qu'il a raison. Se mettre à l'abri parce que, comme tout le monde le sait, une carrière peut être très courte et elle peut s'arrêter de façon subite. Voilà, vaut mieux se mettre à l'abri qu'autre chose. Je pense qu'il gère très bien sa carrière, il gère très bien ses réseaux sociaux, il gère très bien sa communication. Donc il fait très bien son boulot pour l'instant et je pense que tout le monde lui souhaite de réussir. Tu penses qu'il peut aller loin ? Et pourquoi pas ?
Et pourquoi pas, c'est vrai. Eh bien, écoute, on te souhaite le meilleur pour ce sparring et surtout, on va suivre avec attention ton combat au Dana White Series Contender. On te souhaite vraiment de réussir à ouvrir cette porte, tu le mérites. Et puis, quant à nous, eh bien, on va te suivre, tout simplement. Ah, oui. Merci, Dylan. Bon entraînement. Merci à vous. C'était... À la prochaine. À la prochaine. Reviens quand tu veux. On vous l'a dit, le MMA français est très actif ces temps-ci. On va avoir le mois le plus intense de l'année, je pense. Le 17 juin, on assistera au Hexagone MMA de Reims avec Mehdi Ben Lagdar en star et la ceinture des poids lourds qui opposera Prince Aounala et Paul-Emmanuel Niaz. De grands noms du MMA français se confronteront dans la cage du Arès. 16e édition, on y retrouvera notamment Baysangour Shamsoudinov, Dagir Imavov, Paulin Begay, Axel Sola, Alioune Naï et Alexandra Tekena. Samedi 24 juin, la ville de Montpellier accueillera son tout premier événement, le Dynamite MMA. Le 30 juin, il y aura le King of Fighters avec Oumar Sy et Quentin Ruskov-Domingos en main event. Le 1er juillet, Benoît Saint-Denis rencontre le nouveau prodige brésilien Ismaël Bonfim, qu'on va risquer quand on sait qu'il remet le pied à l'étrier après une longue période de convalescence, mais on y croit fort et on est derrière lui. Le week-end suivant va être extrêmement chargé également, accrochez-vous bien, parce qu'il y aura le 7 juillet le MMA GP en Suisse pour la ceinture des lourds légers entre Mohamed Saïd Mahalem et Yann Kouadja. Le lendemain, Menton accueillera son premier événement de MMA, le WML, ce sera au sein du Casino Barrière. Et enfin, il y aura le retour de Mokhtar Benkassi au PFL le même soir. Et puis, le même week-end, le championnat de France de la Fédération française de MMA à Évry-Courcouronnes. Bref, le mois le plus intense, je pense que vous l'avez bien compris. Personnellement, je crois que je n'ai jamais été aussi chargée. C'est ce que j'allais dire. Il fallait respirer. Ouais, c'est clair. Mais bon, on aime tellement ce qu'on fait qu'on ne compte pas les heures sup. Merci à vous d'avoir été avec nous sur cette émission. Encore une fois, partagez-la au maximum. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même chaîne. Bye.